C'est une question qui me gêne parce que j'essaye de voir quelles sont les influences littéraires qui m'ont le plus marqué et j'ai du mal à le trouver. En fait, j'ai passé ma vie à lire des choses venant de partout, de n'importe où. Et puis, par période, je me suis intéressé beaucoup à ceci, beaucoup à cela, beaucoup à la littérature antillaise à un moment donné, jusqu'à ce que j'ai fini mes études, c'était plutôt la littérature nord-américaine ou la littérature anglaise. En fait, qui m'ont influencé parce que j'étais professeur d'anglais naturellement, et donc pendant pas mal d'années, j'ai lu exclusivement en anglais des auteurs anglo-saxons. C'est probablement eux qui m'ont le plus marqué, et en particulier les écrivains britanniques du XVIIIe siècle, des gens comme Fielding ou Defoe. Ou d'autres encore. J'ai fait un diplôme d'études supérieures sur Richardson. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup influencé parce qu'ils ont essayé d'inventer, c'est eux qui ont inventé le roman, ils ont essayé d'inventer un genre nouveau véritablement ou de lui donner des formes nouvelles, et c'est ça que je trouvais très intéressant. Et puis pour la littérature française, naturellement, il y a quelqu'un que j'adorais quand j'étais jeune, c'était Eugène Sue, qui mariait le romantisme débridé, façon Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, à quelque chose de plus inquiétant, de plus mystérieux. J'aimais beaucoup Eugène Sue, Les Mystères de Paris, de Juif Errant. Et puis, pour ce qui est de la littérature du XXe siècle, alors, c'est peut-être Proust qui m'a le plus marqué. J'ai eu de la chance parce que beaucoup de gens parlent de Proust sans l'avoir lu. Moi, je l'ai lu, et je l'ai lu parce que, quand j'avais 22 ans, je suis tombé malade, je suis resté couché pendant 6 mois. Et alors, ça m'a donné le temps de lire toute la recherche du temps perdu. Ce que beaucoup de gens n'ont pas le temps de faire, parce que c'est quand même un monument gigantesque. Moi, j'ai eu le temps de le faire. Il m'est arrivé de le regretter, d'ailleurs. Mais bon, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Du point de vue de la forme, mais aussi du point de vue, naturellement, de l'entreprise elle-même. Retrouver le temps perdu, évidemment, c'est ce que dit le titre, mais surtout se retrouver tel qu'on était à un certain moment. C'est vraiment une entreprise intéressante, passionnante, même plus que ça. Le quartier, je crois que si vous regardez un peu le paysage qui nous entoure, là, la notion de quartier doit être élargie un petit peu. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas toujours vécu ici. Je suis arrivé en Guyane en 1966. Jusqu'en 1975, nous avons vécu à la cité Zéphyr, qui n'était pas tout à fait l'endroit que c'est devenu, peut-être pas mal famé vraiment, mais c'est pas la cité Bonhomme par exemple, ou d'autres qui ont vraiment de mauvaises réputations encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un quartier très populaire, mais personne ne voulait y venir parce qu'on ne pouvait pas aller à Cayenne, il n'y avait pas de transport en commun, et puis à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. Les logements sont restés vides pendant pas mal de temps, et au début ils n'avaient pas été faits pour des fonctionnaires naturellement, puis finalement c'est des fonctionnaires qui se sont retrouvés habitant dedans parce que seuls pouvaient se payer la voiture pour pouvoir y venir et en sortir. Alors
C'était un quartier très sympathique. Maintenant, mes rapports en tant qu'habitant du quartier avec le quartier lui-même et la vision que j'ai pu en avoir éventuellement sont quand même relativement limités. En fait, c'est à mes enfants qu'il aurait fallu poser la question parce qu'eux étaient tout à fait intégrés dans le quartier. trop peut-être. Et ils en ont gardé un certain souvenir ému. Mais ma femme travaillait à la Cité Zéphyr même. Elle était dans l'école de la Cité Zéphyr, celle qui existait à l'époque, avec des gens bien connus aujourd'hui, des instituteurs et institutrices qui ont marqué l'éducation élémentaire en Guyane. À une époque où c'était pas facile, c'était difficile, et où beaucoup d'enseignants tentaient de faire quelque chose, d'un peu différent de ce qu'on faisait dans le 15e arrondissement. Pas toujours sous un regard sympathique. Je pense à des gens comme Madame Castor, Madame Bernude, qui sont aujourd'hui tous à la retraite, évidemment, comme Madame Paradis d'ailleurs. C'était certainement un quartier intéressant. C'est devenu un quartier populaire et c'était l'époque où il n'y avait pas d'insécurité, comme on dit aujourd'hui en Guyane. Les gens sont toujours en train de parler de l'époque bénie où on pouvait quitter, partir de chez soi en laissant la porte et les fenêtres ouvertes. Et c'est vrai, cette époque-là existait, même à la Cité Zéphyr. Maintenant, c'était déjà une cité dortoir. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de vie culturelle à la Cité Zéphyr. Malheureusement. Il commençait à y en avoir une tout à fait à la fin lorsque il y a un centre social qui s'était installé et qui avait une bibliothèque. Et il y a des gens qui allaient emprunter des livres à la bibliothèque du centre social, qui ne les rendaient pas d'ailleurs généralement, ce qui fait que le centre social a disparu, enfin la bibliothèque en tout cas, a disparu assez rapidement. Je ne sais pas si les livres étaient lus, en tout cas ils disparaissaient, pour ce qui est du quartier dans lequel j'ai vécu. Et depuis, je n'ai plus de quartier, j'ai un paysage. En ce qui me concerne, ça remplace très bien. Et je m'entends très bien avec mon paysage. Et depuis longtemps. On est tranquille. C'est silencieux. C'est plein d'oiseaux. C'est plein de fleurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément si on habite à Médan ou à Zéphyr. Et c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Ma petite enfance, elle est liée à la guerre, puisque je suis né avec la guerre, j'étais en France donc, je suis né avec la guerre, à deux ou trois jours près, le jour de la guerre, et je suis né par accident dans la région parisienne. Je dis par accident parce que mes parents habitaient à Metz, c'est-à-dire dans l'Est, et prévoyant l'invasion allemande, ma mère était revenue, mon père a été incorporé, il était militaire, et ma mère est revenue dans la région parisienne avec ses parents, parce qu'on croyait que les Allemands arrivaient par l'Est, ils sont arrivés par le Nord finalement, mais bon. Et donc mes premiers souvenirs sont là, dans la région parisienne, dans un tout petit village qui se trouvait, parce que ce n'est plus un petit village aujourd'hui, c'est une grande ville, qui se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de Paris, qui était véritablement encore à l'époque la France rurale, la France agricole, la France profonde, celle des fermes, des paysans, qui étaient mes grands-parents d'ailleurs, c'est-à-dire la... Presque la France du Moyen-Âge, ou à peu près. C'est un peu comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Et mes premières impressions d'école sont celles de l'école unique du village. Il y avait une école donc avec une seule classe, et dans la classe il y avait, je crois, une quinzaine d'enfants, pas plus. Et j'ai passé 2 ans dans cette école jusqu'en 1946, et mes premiers véritables souvenirs sont les souvenirs de la libération.
Je me souviens des Américains qui arrivaient d'un côté, les Allemands qui essayaient de résister de l'autre. Nous, on était entre les deux. On a passé quelques jours, je me souviens très bien, alors dans une cave, avec les uns qui tiraient sur les autres par-dessus notre tête. Ça, ce sont des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué. Et puis après, alors c'était la présence américaine, et puis les bombardements continuels avec des avions. Là, on courait se réfugier dans les caves toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça. On habitait à côté d'un terrain d'aviation, d'un aéroport qui était occupé par les Allemands à l'époque, ce qui n'a pas duré très longtemps. Alors les Américains venaient bombarder ça jour et nuit. C'était assez ambigu parce que moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 70 ans, c'est un souvenir intéressant, mais à l'époque c'était pas intéressant, c'est un souvenir très effrayant, naturellement. Et puis ensuite, nous avons quitté cette région parisienne. Donc mon père est allé travailler dans le nord de la France, il travaillait dans la métallurgie. Et là, alors c'est un tout autre cadre, c'est une toute autre vie. C'est la vie de la France industrielle du Nord. C'était à Denain, près de Valenciennes. Et les mines, la sidérurgie, les grandes usines qui n'existent plus aujourd'hui, tout ça s'est ruiné aujourd'hui, ça a disparu. Mais enfin, moi, quand je l'ai connu, c'était encore la pleine prospérité industrielle de la France de l'après-guerre. On fabriquait encore des locomotives à vapeur pour le Brésil. Bon, tout ça naturellement a disparu, mais là aussi ce sont des souvenirs de jeunesse très intéressants. Mais je reste quand même beaucoup plus attaché à cette région parisienne là. Mes grands-parents habitaient là et pendant très longtemps, ma sœur et moi nous sommes revenus là pendant les vacances pour passer les vacances avec nos grands-parents. Et c'était quand je pense à mon enfance, c'est plutôt à celle-là que je pense, celle qui était dans cette France paysanne de la région parisienne. On vivait dans les champs, on travaillait dans les champs, on avait des activités, comment dire, paysannes, champêtres. Bon, et puis alors après, naturellement, plus on grandit, et moins les souvenirs d'enfance sont intéressants. Il y a un moment où ils cessent d'être des souvenirs d'enfance, et où, quand on a l'âge que j'ai, on cesse de les évoquer comme des sourires d'enfance, des souvenirs d'enfance. On ne sait plus exactement. Enfin, j'ai du mal, moi, à voir, si je parle de mon enfance, à essayer de voir à quel moment elle s'arrête et à quel moment c'est autre chose qui commence. Et quand vers 14 ans, mes parents sont revenus à Paris, alors là, je ne range plus ces souvenirs-là dans les souvenirs d'enfance, nettement. Alors que ceux d'avance m'apparaissent comme des souvenirs intermédiaires, un petit peu. Et puis, quand j'étais jeune, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, ces souvenirs de la fin de la guerre, un petit peu. Ça marche un peu par étapes. En quelque sorte, il y a une étape intermédiaire et puis une étape où j'étais grand, comme on dit. Je prenais le métro, j'allais au cinéma tout seul, etc. J'étais grand, c'est l'expression, hein. Comme on dit aux enfants, quand tu seras grand, ben ça y est, j'étais grand. Et alors, c'est de là que datent mes premiers souvenirs intéressants de lecture. Non, non, même pas, parce que je me souviens quand j'étais encore à l'école élémentaire, ce sont mes premiers souvenirs intéressants de lecture, parce que l'instituteur où j'étais en CM2, il avait une petite bibliothèque et il nous obligeait à emprunter des livres. Le samedi après-midi, parce qu'on allait à l'école le samedi après-midi, on était presque dans l'obligation d'emprunter un livre et de le rendre le samedi d'après. Et les livres, c'était des livres de la bibliothèque verte. C'est-à-dire, il y avait essentiellement des livres de Jules Verne et d'Alexandre Dumas et de quelques autres écrivains de la bibliothèque verte. Et c'est d'eux que j'aime mes premiers grands souvenirs de plaisir littéraire. En particulier, alors un qui ne m'a jamais quitté, c'est le comte de Monte Cristo, que j'ai toujours considéré comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, et que il m'arrive même encore aujourd'hui de relire avec grand plaisir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est de là que ça date. Et puis Jules Verne, hein, de la Terre à la Lune, des choses comme ça. Là, ça remonte à l'époque où j'étais donc en CM2 à l'école élémentaire.
Après, au collège, beaucoup moins. Et puis alors, après, quand je suis arrivé à Paris, je suis allé donc en seconde au lycée Voltaire. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tellement marqué que je crois qu'il a décidé de ma vie. C'était un professeur de français qui s'appelait Jean-Louis Borry, qui était un écrivain connu. Il avait eu le prix Goncourt en 1945 pour et je l'ai eu comme professeur de français, et c'était un type extraordinaire. C'est lui qui m'a décidé à être professeur. Parce que j'étais dans une série technique où je m'ennuyais, on essayait de me faire faire des mathématiques et des choses comme ça. Et bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Et grâce à Jean-Louis Borry, j'ai quitté cela et je me suis lancé véritablement dans des études qui allaient être littéraires. Et bon, mon meilleur souvenir, c'est le jour, j'étais en première et je m'ennuyais et Jean-Louis Borry me dit, mais écoute, tu vas pas rester là, je suis au lycée Voltaire, tu ne feras rien, tu t'ennuies, moi j'ai demandé ma mutation, l'année prochaine je vais au lycée Henri IV, viens, je t'emmène avec moi. Et alors je lui ai dit, moi au lycée Henri IV, il ne faut jamais me prendre au lycée Henri IV, il y avait la première partie du bac que je l'avais eu d'extrême justesse avec des notes, d'excellentes notes en français, mais alors il me dit, mais t'en fais pas, d'abord je m'en occupe d'une part, et puis c'est les notes de français qui les intéressent. Et effectivement, alors je suis allé donc en terminale, en philo, comme on disait à l'époque, à Henri IV. Et puis après j'ai fait une hippocagne, une cagne, bon là encore c'était des... ça c'était c'est plus l'enfance là, mais c'est resté de très grands souvenirs quand même. Alors l'œuvre d'André Paradis présentée comme ça, la question est vraiment presque gênante, hein. Je ne sais pas d'abord si j'ai une œuvre véritablement, ou alors une œuvre charitable, une œuvre de charité peut-être, quelque chose comme ça. Bon, disons que j'ai écrit et publié jusqu'ici un livre de nouvelles et un, deux, trois romans, plus un roman pour enfants, pour adolescents, disons. Ce qui ne fait quand même, ce qui ne représente quand même qu'une petite partie. Moi j'appelle ça la surface, hein, parce que en réalité, si je parle de mon œuvre et si je prends le mot au sérieux, mon œuvre, je la vois autrement. Mon œuvre, c'est 20 ans de chronique quotidienne à la radio. Moi, c'est ça, mon œuvre, véritablement. Et à mon avis, c'est ce que j'ai fait de plus important, c'est ce que j'ai fait de plus intéressant, et c'est pour cela que les gens me connaissent ici en Guyane. Parce que, faut être franc, le nombre de personnes qui lisent un roman, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et qui s'en souviennent après, il y en a peut-être encore moins. Tandis que cette série d'émissions qui s'appelle La plume à l'oreille, et que j'ai faite pendant 21 ans, avant de me faire mettre à la porte odieusement, c'est ça mon œuvre, à mon avis. Aujourd'hui, alors pour passer le temps, je continue à faire une chronique hebdomadaire dans la semaine guyanaise, mais c'est pas pareil. Et moi, j'étais vraiment à l'aise devant le micro, et c'est là que je faisais des choses qui m'intéressaient. C'est de ça que je me souviens si je parle de mon œuvre. Maintenant, si on veut absolument parler de littérature, moi, je considère la littérature comme en quelque sorte un passe-temps pour me tirer de mon œuvre, de l'autre dont je parlais il y a quelques minutes. Surtout les premières nouvelles. Bon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été très marqué par Jean-Louis Borry, qui était écrivain, et à cause de cela, j'ai eu pendant presque toute ma jeunesse envie d'écrire, et même j'ai même écrit des choses qui n'ont jamais été publiées et qui ont disparu aujourd'hui. Et puis j'ai cessé d'écrire. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas trouver d'éditeur. Quand on est ici en Guyane, on ne peut pas trouver d'éditeur. Ça n'existe pas. Les éditeurs français ne s'intéressent pas du tout à ce qu'un écrivain de Guyane écrit. Pour eux, ça n'existe pas. Alors, évidemment, on me dira qu'en réalité, ils ont peut-être refusé tout ce que je leur proposais parce que c'était mauvais. C'est possible, c'est très possible. Mais je crois quand même que ce n'est pas la seule explication. Je crois qu'il y a un préjugé contre la Guyane en France qui est extrêmement profond et
qui vraiment joue contre nous, hein, comme tous les préjugés d'ailleurs. Bon, alors, je me suis remis à écrire donc à la fin des années, à la fin du siècle précédent, ça fait plus. À la fin du siècle dernier. parce qu'on avait un éditeur ici en Guyane, hein. C'est pour ça, d'un seul coup, je pouvais me faire publier. J'ai rencontré Jean-Louis Malherbe à la radio, justement, une fois qu'il était là. Il m'a demandé si j'écrivais, parce qu'il écoutait mes chroniques, il écoutait La Plume à l'oreille, et il m'a demandé si j'écrivais. Je lui ai dit que ça m'arrivait, mais enfin que les conditions étaient telles que c'était pas la peine. Alors il m'a dit, si moi ça m'intéresse, alors je lui ai donc écrit des nouvelles, c'était mon premier livre ici qui s'appelle Marronnage, qui parlait uniquement, les nouvelles qui étaient dedans étaient uniquement des nouvelles écrites en Guyane et sur la Guyane et qui prenaient la Guyane comme sujet, uniquement. Et puis ensuite, alors j'ai écrit un premier roman qui s'appelait L'année du fromager, puis un second qui était un roman policier qui s'appelait Le sommeil du fleuve. Et c'était en quelque sorte un espèce de jeu. Et écrire est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mais, alors ça c'est un sujet bateau qui retombe régulièrement au baccalauréat, est-ce qu'on écrit pour soi ou pour les autres? C'est une question absurde. On écrit pour être lu. Si personne ne peut vous lire, on n'écrit pas. Je sais bien qu'il y a de très grands écrivains qui ont tenu toute leur vie un journal qu'ils n'ont jamais montré à personne et qui n'a été publié que quelquefois un siècle ou deux après leur mort. Mais enfin, ça c'est véritablement l'exception. On écrit quelque chose. L'écriture est un moyen de communication. La littérature c'est un moyen de communication. On écrit parce qu'on veut que d'autres vous lisent. Parce qu'on estime qu'en vous lisant, ils vont avoir accès à un aspect de vous-même qui n'est pas celui qu'on offre dans la vie courante, dans la vie commune, aux autres. C'est une manière différente de communiquer avec autrui, comme ce que je faisais à la radio, justement, comme les chroniques que je faisais à la radio, et qui m'ont donné une certaine image que de toute façon je n'aurais jamais pu avoir autrement. Ce n'est pas que l'image m'intéresse en soi, c'est que elle est une forme de communication encore, et que c'est à la fois plus facile et plus difficile de communiquer de cette manière. En tout cas, on communique d'une manière très différente. Parce que j'ai aussi eu pendant très longtemps, et j'ai encore eu une activité politique que certains connaissent. Là encore, ça aussi, c'est une certaine manière de communiquer. Personne ne pensera jamais à publier mes œuvres complètes, Dieu merci. Mais si jamais quelqu'un le faisait, il faudrait aller rechercher aussi des tas de toute une littérature politique qui a été publiée d'une manière anonyme, qui n'est pas signée, évidemment, mais qui a eu aussi, pour moi, et peut-être aussi pour quelques autres personnes, une importance considérable. Je veux dire qu'on n'est pas uniquement ce qu'on veut bien montrer. Il y a bien autre chose. Alors, en ce moment, je n'écris plus. Je n'écris plus parce que je suis extrêmement déçu de cette forme de communication, parce que en Guyane, ici, il y a un public qui est... c'est un travail énorme que d'écrire un roman. Il y en a qui disent qu'ils écrivent très facilement, qu'ils font un roman en 5 minutes. Bon, ce n'est pas mon cas. Moi, je trouve qu'écrire un roman, je mets un an à écrire un roman, et c'est un travail difficile, parce que d'abord, je veux qu'il soit bien écrit, premièrement, mais ce n'est pas ça seulement. Il faut que l'image, puisque c'est une forme de communication, il faut que le roman donne de moi-même une image qui me satisfasse. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Je veux dire que quand je relis ce que j'ai écrit, je me dis que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas cela que je voulais dire, parce que ce n'est pas moi vraiment exactement qui suis là. Il y a autre chose. Et alors, j'ai cessé d'écrire parce que travailler véritablement pendant un an, jour et nuit, et pour être lu par 200, 300 personnes ici en Guyane,
finalement, j'ai eu un peu l'impression, il y a quelques années, que je travaillais pour rien. C'est-à-dire que j'échouais, très exactement. Et j'aurais voulu un public plus important. Et je voulais que les Guyanais me reconnaissent comme étant l'un de leurs écrivains, quelqu'un qui leur apporte quelque chose. Et c'est vrai que dans mes premières nouvelles, mais finalement j'ai abandonné cette idée rapidement, il y avait cette idée que les enfants des écoles n'avaient pas beaucoup de littérature guyanaise à se mettre sous la dent. Je veux dire de littérature qui leur parle de la Guyane. Il n'y a pas grand-chose. Et que peut-être je pouvais leur en apporter un petit peu. Hein, il y avait en plus cette idée-là. Alors effectivement, l'un de mes grands plaisirs, ça a été d'apprendre que dans un collège, on avait étudié telle ou telle de mes nouvelles ou telle de mes romans. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé avoir le prix Carbet des lycéens, parce que les lycéens, c'est des gens que je connais bien. J'ai passé ma vie entière avec eux, ou à peu près. Et je suis vraiment très heureux. Enfin, en fait, c'est pour eux que j'avais écrit le livre, hein. Il faut le dire. L'année d'avant, j'avais failli avoir le prix Carbet des lycéens, et ça m'avait vexé de ne pas l'avoir. Et je m'étais dit, bon, l'année prochaine, je l'aurai. Et j'ai écrit ce livre pour tous les élèves que j'ai eus en Guyane depuis 1966. Hein, et qui m'ont dit très souvent qu'ils regrettaient de ne pas avoir de livres qui parlent de la Guyane à lire. Alors je leur en ai donné deux ou trois. Parfois ils en feront ce qu'ils voudront. Ça, c'est leur problème. À partir du moment où le livre est publié, il est devenu le problème du lecteur, hein, et non plus celui de l'écrivain. Et puis, mais j'aurais voulu quand même avoir. Oui, une audience, on peut employer le mot, hein. Tant pis s'il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu prétentieux, une audience un peu plus large, un peu plus grande. Et j'ai donc écrit une ou deux choses que j'ai proposées à nouveau aux éditeurs parisiens, et qui m'ont refusé ça très très vite, trop vite probablement. Trop vite, je veux dire par là que je soupçonne, comme certains, de ne pas avoir vraiment lu les livres. Je le leur pardonne parce que moi-même je suis lecteur professionnel à Ibis Rouge, et c'est vrai que les livres, on les lit quelquefois très rapidement et qu'il est possible qu'on passe à côté de choses intéressantes par manque de temps, tout simplement. En fait, on écrème les livres. Mais enfin, quand même, ça m'a vexé, alors j'ai laissé tomber. Hein? Pour l'instant, je me contente de quelques chroniques hebdomadaires sur des sujets d'actualité. Et puis quand même, 70 ans, ça commence à être un âge canonique. En particulier les chroniques de La Plume à l'oreille. Alors, ma réponse, c'est que premièrement, il faudrait le publier sur disque, parce que ce qui a été dit à la radio ne passe pas par l'écriture. C'est pas du tout le même médium, hein. C'est quelque chose de tout à fait différent. On ne s'exprime pas de la même manière. Bon, premièrement. Donc, il aurait fallu faire des disques, mais personne ne les aurait achetés. Et puis alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi, je les ai enregistrés depuis 1986. Je les ai presque toutes, et je me suis aperçu que 20 ans après, il n'y en a pas une sur 10 qui a conservé un certain intérêt. Ouais, elles sont trop datées. Et ça, je le faisais exprès. Je suivais l'actualité. Je parlais de ce qui se passait jour après jour. Mais 20 ans après, on a oublié le contexte. Et donc, on s'est dit, mais de quoi ils parlent? Et donc, il y en a quelques-unes qui pourraient passer, certes, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse qui que ce soit. L'insularité de la Guyane. C'est une grande question, on en parle beaucoup, et on essaye de lutter contre cette idée d'une Guyane insulaire qui nous est imposée parce qu'on n'a pas de moyens de transport faciles pour aller dans les pays voisins. Aller au Brésil, c'est quelquefois la croix et la bannière, aller au Suriname aussi. Donc la Guyane serait une île, nous dit-on, c'est-à-dire un espace français, francophone, isolé sur un continent qui est hispanophone ou lusophone ou je ne sais quoi. Mais puis d'un autre côté, nous sommes naturellement
une presqu'île en réalité, parce que nous sommes rattachés aux Antilles. Et la population de la Guyane est très largement d'origine martiniquaise, d'origine antillaise ou sainte-lucienne, très largement. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est un jour que je ne savais pas quoi faire, que j'étais à Fort-de-France, je suis allé visiter le cimetière de Fort-de-France. Si on regarde les noms sur les tombes, on a les mêmes noms exactement que dans le cimetière de Cayenne. Donc, dire que nous sommes une île, manifestement, du point de vue de la population, ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais que de ce point de vue-là, on est plutôt une presqu'île. Sur le plan littéraire, sur le plan culturel, on est une presqu'île. Après tout, le créole guyanais est différent du créole antillais, mais enfin, c'est quand même, il y a quand même intercompréhension, hein, largement entre les deux. D'ailleurs, on entend ici trop souvent. Je dis trop souvent pour beaucoup de Guyanais, je connais des Guyanais qui hurlent à chaque fois que les gens parlent en créole antillais. Mais on entend très souvent du créole antillais en Guyane. Donc déjà sur le plan culturel, nous sommes plutôt une presqu'île. Mais par moment, le fil de la presqu'île se tend beaucoup. Parce que quand même, sur le plan culturel, nous avons beaucoup d'influences qui ne sont pas véritablement d'origine antillaise, qui ne sont pas tournées vers le nord, mais qui sont plutôt tournées vers... alors, je ne vais pas dire vers le sud, parce que malheureusement, c'est vrai que nous avons très peu de rapports avec le Brésil ou avec le reste de l'Amérique du Sud, mais nous avons aussi des rapports avec cette espèce d'entité que l'esclavage d'abord, puis le colonialisme ensuite, a créé dans cette région d'Amérique du Sud. C'est-à-dire, c'est un lieu commun de dire que la Guyane est un pays multiculturel, on abuse de ce genre de choses, mais il y a une réalité quand même là-dedans, et une réalité qui va prendre de plus en plus d'importance. Je veux dire qu'en Guyane, même sur le plan culturel, l'importance de la population bushinengue, par exemple, est condamnée, va croître énormément, tout simplement parce que la place de la population bushinengue est de plus en plus importante, et je suis moi persuadé qu'il y a là une influence culturelle qui va augmenter sans arrêt en Guyane. Alors, maintenant, c'est vrai que nous avons été peut-être, et nous sommes peut-être encore à la remorque des Antilles, pour ce qui est de la littérature par exemple, et pour ce qui est d'autres formes d'art. Bien sûr, nous avons été, et nous sommes encore, influencés par la littérature antillaise, parce que, à nos yeux, et dans la réalité, la littérature antillaise a une richesse que la littérature guyanaise n'a pas. Il y a de très grands écrivains aux Antilles, alors que nous n'en avons pas ici, ou pas beaucoup. Nous avons Léon Damas. Et justement, pour parler de Damas, en deux minutes, il me semble que l'influence des Antilles sur Damas est très faible. Damas est quelqu'un moi, je ne vois pas d'origine antillaise dans le discours de Damas. Je vois quelque chose de tout à fait différent et quelque chose qui annonce peut-être justement la naissance d'une réalité indépendante ici. Mais en tout cas, quand même, naturellement, nous sommes quand même encore à la remorque de la littérature antillaise. Et dans ce qui se publie aujourd'hui en Guyane, on retrouve très souvent l'influence des grands écrivains antillais, en particulier de Chamoiseau, de Confiant et de quelques autres, mais surtout Chamoiseau. C'est pas forcément une bonne influence d'ailleurs, parce que Chamoiseau lui-même est revenu un petit peu sur la créolité telle qu'elle était à la mode il y a une vingtaine d'années. On n'en est plus là véritablement. Mais ça c'est les problèmes de Chamoiseau, et c'est les problèmes de la littérature antillaise. Nous n'avons pas véritablement ces problèmes-là. Je crois que nous, ce que nous devons faire, c'est essayer de trouver. Je dis pas ça par patriotisme bébête, mais il faudrait essayer de trouver une forme guyanaise d'expression littéraire, et nous ne l'avons pas encore. Moi, je ne la vois pas, mais il faudra la trouver. Elle se trouvera, je pense, ou elle ne se trouvera pas, je ne sais pas. Mais elle peut se trouver, je crois. J'y crois, personnellement, j'y crois.
d'entité guyanaise qui est en train de prendre forme, je crois. Il me semble la voir de temps en temps, l'apercevoir, et puis elle disparaît, mais je crois que c'est pas aussi simple que ça. En dépit de toutes les pressions pour qu'on se raccroche définitivement à tout ce qui vient de France, hein, la télévision, la presse, etc. C'est une pression qui est très forte, mais je crois malgré tout, je crois qu'on résiste bien. Je me demande si on résiste pas mieux que les Antilles.